Bon matin, il est 9h40, on est au travail à mon copain. Hier soir, on s'est couché vraiment tard parce qu'on a commencé à tuer pas des araignées, mais des fourmis sur le bord de la fenêtre de la cuisine. Alors, on a mis du raid, puis là, on s'en va chercher des trappes pour fourmis. Mais avant ça, on s'en va pour le travail à mon copain. Je me rappelle même plus où on s'en va, à Greenville, je pense. Porter un téléphone satellite. Alors, c'est pas mal ça. Là, j'attends que mon copain revienne pour s'en aller. Après ça, on va profiter de la journée. Il fait tellement beau. Je sais pas combien il fait dehors, là. Il fait 11 degrés à peu près. Ok, c'est pas mal ça. Pour le reste, on a pris une fin de semaine vraiment relax. Surtout hier, là, on s'est couché, il était à peu près 2h du matin. Là, on est debout depuis 8h30 environ. Fait que je l'attends. On est dans le camion de la compagnie. C'est un Ford F-150 2019, je crois. Je l'ai conduit ce matin. C'est assez spectaculaire comme camion. On se sent vraiment plus haut que tout le monde. On dirait un bateau. Mais c'est le fun. C'est un bon char. Sinon, là, je l'attends, ça fait une dizaine de minutes. Puis là, je joue à des jeux sur mon téléphone en attendant. C'est ça. T'as qu'à tantôt. Il est 4h45. J'ai pas vraiment vlogué aujourd'hui. On a pas mal fait de ménage. Là. On a essayé de vider pas mal les comptoirs. Le comptoir ici aussi, là, il y avait plein de trucs qui traînaient ici. Là, faut que j'aille acheter ça tantôt. Puis ça, je vais faire une recette avec. C'est un mélange de 6 haricots. Je vais faire ça comme une genre de salade feta puis tout, là. Ça va être super bon. Là, je suis en train de chercher quoi faire à souper. Parce qu'on savait trop pas. Ouais, j'ai cherché dans 3 livres. Je vais vous montrer. J'ai... Les recettes cochon, le sans sel, puis le famille futée 4. Puis finalement, pour finir, qu'on prend une recette qui est sur Internet. On va faire des pâtes crémeuses à l'ail avec champignons et crevettes. Fait que ça va être super bon. Mon copain est parti acheter ce qui manquait. Il manquait du basilic, puis... basilic puis de la crème à cuisson parce que ça j'en ai pas ici. Voyons, j'ai le doigt pris. Fait que là, je vais commencer à couper puis à préparer les trucs. J'ai les crevettes. Puis là, j'ai des champignons qui vont peut-être mourir bientôt. Fait que va falloir que je les fasse. Mais je vais les trier là parce que je pense qu'il y en a un ou deux qui est pas bon là-dedans. Là, on va falloir laver ça tantôt. Ça, c'est la pâte de poulet. D'ailleurs. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Aujourd'hui, on s'est pas mal promené. On a été aux chutes. C'était full beau. J'ai pris plein de photos. Si jamais vous voulez aller les voir, je vais les mettre sur ma page Instagram. Puis sinon, on a été se prendre une crème glacée. Puis on est venu la manger dans la cour. Là, il faudrait vraiment passer le râteau bientôt. Ouais. Puis là, sinon, je niaisais les animaux un peu tantôt. Je leur courrais après. Là. Fait que là, on a le chat ici. Là. Il est fatigué. Là, il y a le jeu à mon copain qui est parti. Mais en tout cas, il est pas là. Fait qu'on jouera pas. Puis, c'est ça qui est ça. J'ai fait de la vaisselle. J'ai lavé mon comptoir. Puis, pas mal ça pour l'instant. Je dois râper du fromage. Puis couper des trucs, faire les lunchs pour demain. Parce que demain, malheureusement, la semaine recommence. Alors, c'est pas mal ça qui est ça pour le vlog d'aujourd'hui. Donc, je penserai peut-être pas vlogger ce soir. Parce que on va être pas mal occupé.
Puis si jamais je vlog, ben je vais l'insérer dans la vidéo. Si jamais non, ben je vais vous dire à demain, tout de suite. À plus! On se retrouve. Je chuchote parce que pas mal tout le monde dort. Il doit être 10h. Je viens de prendre ma douche. J'ai envie de regarder quelques vidéos avant de me coucher. Mais je voulais avant tout conclure mon vlog d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on s'est promené aux chutes Belle, qui est à Grenville. C'était super beau. Si jamais vous voulez aller voir les photos, comme j'avais dit plus tôt, je vais les mettre sur mon Instagram que je vais mettre en barre info juste en bas. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. On va se retrouver demain pour un autre deuil. Alors, je vous dis bonne nuit et merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Ce matin, j'ai voulu vlogger. Je me suis levée super de bonne heure. Mais malheureusement, j'avais complètement oublié que je travaillais à 8h30 du matin. Alors, quand je me suis levée à 8h pour commencer un bon vlog et tout, malheureusement, j'ai pogné un rush et je suis partie au travail assez vite. J'en ai même oublié bien les affaires. Alors aujourd'hui, je sais pas si le vlog va être très très long, mais comme là, je viens de finir ma pause. Puis aujourd'hui, ça file pas trop, donc on verra comment ça donne aujourd'hui. Alors, on se reparle tantôt. On se retrouve. Dans le fond, aujourd'hui, j'ai fini à l'école, il était 4h40 environ quand je suis partie de l'école. Fait que là, j'ai arrivé comme 5h30. Ben du trafic. Dans le fond, je voulais vous parler ce soir parce que j'ai mon rendez-vous demain à Sainte-Justine. En CPA, c'est le centre de la procréation assistée, je pense. Fait que c'est ça, je vais vous montrer. Ben pas vous montrer, mais un peu vous dire ce qu'on aurait besoin à apporter pour le premier rendez-vous. Alors, mon rendez-vous est à 2h15. Ils nous ont dit d'être là 45 minutes d'avance si on n'avait pas la carte de l'hôpital de Sainte-Justine. Alors, nous, on l'a pas, on va arriver vers 1h là-bas. Il faut pas de parfum. C'est ce que j'ai lu un peu sur Internet. Là. Il faut pas de parfum. Carnet de vaccination, la liste des médicaments. Genre, les pompes. Mon médicament pour ma glande thyroïde, les vitamines que je prends aussi, oméga 3, l'acide folique, puis le B100 complexe. Aussi, ils te font imprimer des feuilles sur Internet. C'est des questionnaires. Donc, il y a un questionnaire pour la femme que tu dois remplir, là, recto verso. Il y a un questionnaire pour l'homme qui est genre juste recto, mais pas verso. Fait qu'on les a imprimés. Fait que je vais essayer de chercher mon carnet de vaccination. Mais je pense que sinon, c'est pas si grave. Là. Elle me l'a pas dit au téléphone. Mais je l'ai lu sur Internet qu'il fallait ça. C'est pas mal ça. Là. Je m'en allais chercher. Alors, peut-être que demain, on va commencer des tests. Pour voir justement c'est quoi le problème. C'est sûr qu'on ne saura pas ça tout de suite le premier rendez-vous. Mais ils vont sûrement nous prescrire des examens quelconques. Sinon, aujourd'hui, c'était une bonne journée à l'école quand même. À part que je suis arrivée en retard, comme je vous ai dit plus tôt. Mais sinon, les élèves étaient fou gentils. C'était tranquille, il faisait beau, ils étaient souvent dehors, ils niaisaient pas en dedans. Fait que ça allait être vraiment quand ils sont gentils. Puis sinon, pour ce soir, on va manger quand même léger parce que moi et mon copain, on se sent pas vraiment bien. J'ai l'impression comme d'avoir une balloune prise dans l'estomac. C'est vraiment dérangeant. On dirait que depuis tantôt, genre, j'ai comme des rapports. Puis j'ai comme le goût de mon croissant de ce matin. On dirait que mon estomac est comme tanné de la levure, du pain, puis toutes ces affaires-là. Fait que je vais sûrement me faire une salade. Puis mon copain va se faire une soupe lipidine parce qu'il tripe là-dessus.
Fait que c'est pas mal ça. Sinon, au courant de la journée, il s'est rien passé. Ma mère m'a appelé pour confirmer qu'on allait dans un événement le 25 mai. Je vais essayer de vous vloguer ça rendu là-bas. C'est comme un événement où il y a tous les fruits de mer à volonté. C'est quand même cher, c'est 77$ par personne. Mais on peut manger 12, 15, 16 homards, comme que tu veux, des crevettes, tous les fruits de mer que tu peux imaginer. Fait qu'on a bien hâte d'y aller. Sinon, c'est ça qui est ça pour ce soir. Je sais pas si je vais vlogger ce soir, comme je vous dis, parce qu'on file pas, puis on risque sûrement de relaxer. Fait qu'on va faire un petit peu de ménage, là, puis se faire à manger, puis on va sûrement écouter un film ou deux, puis on va se coucher vraiment de bonne heure. Puis sinon, c'est pas mal ça. Ça se peut que je combine 2 journées de vlog ensemble. Peut-être pas, ça va dépendre. Mais sinon, c'est pas mal ça qui est ça. Puis je vais vous dire bonne nuit tout de suite. Et merci de m'avoir écouté dans ma journée. Alors, à la prochaine!